Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, c'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous écoutent à cet instant. Aujourd'hui, nous allons parler de la nomination de Kasongo Mwema et Tina Salama comme porte-parole et porte-parole adjoint du chef de l'État. L'ordonnance, le nommant a été lu à la télévision congolaise. Selon les documents, les heureux nominés vont travailler en étroite collaboration avec les directions de la presse présidentielle et de la commission. Bandeko, le lotokoloba pour la nomination Oyo président Félix Tshisekedi vient de nommer Kasongo Mwema Mpetina Salama et Bazala porte-parole Naï. Batanga été document dans la télévision congolaise et puis Moutignon soyebi directement que Bangome Balé Bako comme porte-parole ya président. Alors, to banana Kasongo Mwema. Qui est Kasongo Mwema? Kasongo Mwema était un ancien journaliste de la radio-télévision nationale congolaise. RTNC. Il a été attaché à la présidence de la République pendant la Deuxième République. Le nouveau porte-parole du chef de l'État a également été journaliste à Radio France Internationale. Bandeko, Kasongo Mwema, azalaki journaliste na Radio Télévision Nationale Congolaise RTNC. Et puis, Lususu, Azala qui est attaché à la présidence de la République pendant la Deuxième République. Mpeli Soussou, Azala qui est journaliste na RFI, Radio France Internationale. Alors, bande comme nomination, on a vraiment ça qui toko. Parce que, sur total, si on a Tina Salama, Azanan, animatrice et productrice d'émissions na Radio Okapi. Alors, yé a kosala pe mousala kito parce que yé vra mousala wana dont ouzou monake ba oumi bale baza vraiment baza vraiment na carrière moko avant baza la nommé na président de la République. Par ailleurs, le président de la République a dans une ordonnance créée au sein de son cabinet un service spécialisé dénommé service de porte-parole du chef de l'État. Ce service est dirigé par un porte-parole assisté d'un adjoint et fonctionne sous l'autorité du porte-parole qui est le coordinateur des activités. Bandekonde Tolobi, que Bangomi Bale Kasongo Mwema na Tina Salama bako travailler ensemble na service après sa présidence. Alors na kati ya présidence présent créa qui na kati ya cabinet un service spécialisé au bazo benga service de porte-parole du chef de l'État. Alors te mette bande ko ba ko sala musala kitoko. Alors ya on te conformer bino et te mena na présidence ba komina porte-parole ya chef de l'État. Alors so tali bien Kasongo Mwema vraiment azana carrière mon makas passe à ça qui na RFI. Donc, à passer un message à président Kitoko Penza, alors une nomination moko pena ya Kitoko. Parce que le sala qui na Radio France Internationale pena RTNC dont azan expérience makas. Et puis à ça qui soit attaché na président. Donc mon sala Kasongo Mwema ko sala est vraiment Kitoko. Et puis Kasongo Mwema za epi le professeur de l'université à Lubumbashi. Donc, à sa peine, la carrière, mon corps, ça, quand on a voté, alors, ben, de côté, conformé, bino, était mené à la présidence, tout comme une porte-parole, mais porte-parole adjointe. À vous de commenter. Au revoir, à la prochaine.